Assia, le geste de l'association Élève pour Élève est tout aussi noble dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et l'Autriche. C'est un lot de matériel qui a été remis au lycée professionnel provincial Guimbi Ouattara, à l'université polytechnique et au centre hospitalier universitaire Souro Sano, le tout estimé à plus de 60 millions de francs CFA. Karim Sissi. Du matériel informatique, des chaises de bureau, des lits d'hospitalisation, c'est entre autres la composition des équipements qui ont été offerts au lycée professionnel régional Guimbi Ouattara, à l'université polytechnique et au centre hospitalier universitaire Souro Sano de Bobo-Dioulasso. Un matériel acquis grâce aux fruits du partenariat entre l'Autriche et le Burkina Faso à travers l'association Élève pour Élève. Pour que le cours puisse être donné également donc, avec, dans des conditions faciles, bien sûr, tendre vers l'enseignement moderne, parce que cela a nécessité du câblage réseau. Ça, c'est pour donc, le matériel scolaire. Pour ce qui est donc, de l'école optique et de lunetterie, alors le sens, c'est de pouvoir former des opticiens ici sur place et donc promouvoir de l'emploi et au-delà donc du Burkina Faso, une école à vocation sous-régionale, parce que c'est une première en Afrique de l'Ouest. Pour les différents bénéficiaires, ces équipements éducatifs et sanitaires leur permettront d'améliorer leur qualité de prestation et d'être encore plus performants. Ce matériel vient à point nommé pour renforcer nos équipements informatiques. Il vient renforcer nos équipements en filière optique et lunetterie. Ceci étant, il va sans dire que les prestations des enseignants et l'apprentissage des élèves va s'en trouver fortement amélioré. Il faut dire effectivement que nous avons reçu donc un lot d'équipements, un lot très important d'équipements variés qui va nous permettre en tout cas d'améliorer donc la capacité de prise en charge de nos malades. Parmi ces équipements, donc, vous avez divers matériels, du matériel opératoire, des lits hospitaliers, des brancards, des chariots roulants. Je pense que c'est un ensemble d'équipements en tout cas qui va permettre donc d'améliorer la qualité de la prise en charge au niveau donc de notre institution. En rappel, cela fait maintenant 6 ans que l'association Élève pour Élève existe. Et en 6 années d'existence, cette association a pu doter plusieurs structures éducatives et sanitaires de matériel et mettre en place une filière optique et lunetterie au lycée professionnel régional Guimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso. L'association Élève pour Élève a en perspective la construction d'une école d'énergie renouvelable dans la ville de Sia.